Vos voyages vous ont épuisé, mais vous êtes fasciné à la vue de Baldur's Gate. C'est une ville de contes et de légendes. Un endroit où la gloire et la fortune sont au coin de chaque rue. Il fait nuit lorsque vous pénétrez dans la ville, et tout est étrangement désert. Vous décidez de trouver un abri pour la nuit. Mais vous découvrez que la nuit aussi, le danger guette. Et en l'espace d'un instant, le danger est sur vous. Une prise, hein, garde. En effet, voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant dans ces poches. Halte ! Qui va là ? Les sentinelles ! Fichons le camp d'ici ! Oui, mais n'oubliez pas l'or. Laissez le reste aux sentinelles. Ces saletés de voleurs deviennent chaque jour de plus en plus entreprenants. Cette victime-là est toujours en vie. Apparemment, il n'en avait qu'après l'argent. Du calme. Vous avez reçu un sacré coup, vous savez. Les voleurs qui s'en sont pris à vous sont partis avec votre or. Mais au moins, vous êtes en vie. C'est pas le cas de tous ceux qui ont croisé leur chemin. Il vaut mieux rester chez soi la nuit. Les rues ne sont pas sûres. Vous devriez aller à la taverne du Champ de l'Elfe. C'est pas loin d'ici. Évidemment, c'est un repère de malfrats. Mais si ça se trouve, l'un d'eux sait peut-être où se trouvent vos agresseurs. Attiré par une voix envoûtante, vous entrez dans la taverne du Champ de l'Elfe. L'endroit est petit et rempli d'habitués fort différents les uns des autres. Sans oublier quelques trophées. Là, la voix envoûtante vous entoure. Les clients de la taverne restent muets, charmés par ce qu'ils entendent. L'un après l'autre, ils semblent succomber au chant de la sirène. Belle chanson, hein ? Je l'ai entendue des centaines de fois, et pourtant elle continue à m'émouvoir. C'est le fantôme d'une elfe. Elle hante cette taverne et chante quelquefois à la nuit. Personne ne le sait. Son esprit habitait déjà les lieux quand j'ai acheté la taverne. Certains disent qu'elle pleure un amour perdu, un soldat mort en défendant la porte de Baldur. Elle... Oui, mais... Eh bien, personne ne sait où se réunir. Je pense qu'ils les utilisent pour se... Il y a bien une porte dans la cave de cette taverne. Je l'ai... Eh bien, il y a juste un petit problème. En fait, nous avons dû condamner. La porte de la cave est verrouillée. C'est l'un de nos habitués. C'est lui qui d'ordinaire descend me chercher du vin à la cave. Bonne chance. Et faites attention aux rats, ils peuvent se montrer très agressifs, surtout quand ils sont acculés. Même moi, je ferai pas ça ici. Bonjour, je vous ai vu entrer. C'est exact. Nous avons verrouillé la porte de la cave dès que les rats ont commencé à l'envahir. Vous avez besoin de la clé? Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un problème de rats et non pas... J'ai entendu votre conversation avec... Eh bien, peut-être que l'idée d'affronter ces voleurs ne vous rebute pas, mais... Le plus petit fait la taille de mon bras. Des rats énormes, qui grouillent partout. Très bien, je vous aurais prévenu.